J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon lit pour cette nouvelle journée avec moi. Je pense qu'on va faire quelques petits trucs. Enfin, je vais vous montrer en fait mon quotidien tout simplement. Mon quotidien d'influenceuse. Non, je plaisante. C'est parti. Bon les gars, je vais vous présenter le smoothie que j'ai l'habitude de me faire en ce moment et que j'apprécie vraiment. Allez, on commence tout de suite. Je vais venir ajouter mes petits fruits rouges. Je vais me prendre ma banane. Un peu de lait. Est-ce qu'il a pas l'air dingue, mon petit déjeuner? Donc en général, je fais ça en commençant la journée vraiment très chill, devant une vidéo YouTube ou devant un replay, enfin je sais pas. Là je pense que ça va être une vidéo YouTube parce que vu que c'est la rentrée, il y a plein de nanas qui ont sorti plein de vidéos que j'ai envie de regarder. Donc écoutez, je vais en profiter pour faire un petit tour dessus quoi. Donc une fois que je me suis un peu posée, que j'ai pris le temps de regarder un peu ce que j'avais envie de regarder et en fonction de ce que j'ai à faire tout au long de la journée. Mais là du coup il est à peu près 9h30, donc ça va faire une heure que je suis réveillée et maintenant je vais attaquer un peu le montage de la vidéo Pamela. Je vais essayer de faire la miniature. En général j'essaie de faire ça le matin parce que c'est des tâches un peu parfois reloues que je préfère avoir terminé dès le matin. Guys, il est midi 20 à peu près. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas trop envie de m'embêter niveau cuisine, enfin surtout ce midi. Donc je vais sortir quelque chose de mon congélateur. J'avais acheté cette petite poêlée Bonduel à base de chou kale, oignon, pois, perles de couscous, légumes. J'ai jamais goûté, donc au moins ce sera l'occasion, puis je vous dirai si ça vaut le coup, tu vois. En attendant, je mange mes petits crackers. Le déjeuner est servi. Alors... You can look at me. Great. Il m'a l'air d'avoir plein de bonnes petites choses là-dedans. Et en plus, il commence à refaire un petit peu plus frais. Donc les plats chauds, ça ne me dérange pas. C'est très bon. Je pense que c'est quand même assez salé, comme une grande partie des plats déjà préparés. Ça dépanne, c'est assez healthy et c'est bon. Les gars, j'étais sur mon ordi et le livreur vient de sonner. Je vais recevoir un colis. J'ai une petite idée de ce que ça peut être. Je pense que l'unboxing va être très très cool. Si je dois vous donner quelques petits indices sur ce qui se trouve à l'intérieur, il s'agit de la marque Basile Paris, qui s'inspire de ses voyages en Italie et de l'architecture parisienne pour créer ses petits sacs en cuir. Et donc ici se trouve la toute première collection de la marque Basile Paris, donc qu'on va découvrir ensemble. Le petit détail ici sur l'unboxing, c'est archi mignon. Oh là là. Par quoi commencer? Par la pépite. Oh là là. Regardez-moi ce sac et cette couleur. Je découvre en même temps que vous. Hein. Pour l'ouvrir, du coup, c'est comme ceci. Et on va voir dedans comment c'est. Je sais pas si vous voyez à quel point le cuir est magnifique. La pochette derrière. Regardez, il y a des petites fleurs dedans. Mais non, mais je fonds d'amour. Donc avec, j'ai la petite pochette comme ceci. Grave mignonne, hyper pratique. Et encore une dernière surprise. Le petit foulard qui va avec. Il est tellement beau, regardez.
L'unboxing, il est juste incroyable, vraiment. Au niveau des sangles, ça se voit, elles sont vraiment de qualité. Et donc, guys, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous laisser sans un petit code promo pour choper cette pépite pour la rentrée qui est juste incroyable. Avec le code Estelle, vous pouvez bénéficier du sac Apollon accompagné de sa pochette Apollon et son foulard Gloriette au prix de 250€ au lieu de 320. Donc, ça vous fait 70€ de réduction. Que vous dire de plus que foncez, vous voyez, je pense, la qualité du sac, il est magnifique. Sachez que la collection Apollon, c'est donc la première collection de Basile Paris. Elle est entièrement dessinée dans leur studio parisien et fabriquée à la main en Italie, donc à Florence pour les sacs et à Milan pour les foulards. Et donc pour bénéficier de la remise, il vous suffit de cliquer sur Je veux la pochette, l'ajouter au panier et dans le code de réduction, vous rentrez Estelle et voilà. Donc ce que je vous propose, et j'espère que ça va vous intéresser, c'est que je trouve une petite tenue qui aille parfaitement bien avec cette petite beauté. Comme ça, je vous montre un peu avec quoi moi je le porterai. Je vais trouver une petite tenue. Et puis écoutez, on va aller faire un tour. Est fait. Maintenant passons au look. Je vous cache pas, j'avais une petite idée. Chemise, un truc qui fasse un peu demi-saison, allier le décontracté avec le chic et tout. Voilà l'état de la chemise à laquelle je pensais. Pas vraiment chic du coup. Je crois que j'ai même pas de fer à repasser. Je pense qu'on va partir sur un petit plan B. Un petit peu tout ce qu'on peut rentrer là-dedans et je pense qu'on peut rentrer bien plus que ce dont j'ai réellement besoin. Je pense que là-dedans déjà vous pouvez rentrer un iPad sans aucun problème. Déjà je vais utiliser ma petite pochette pour mettre tout ce qui est carte bleue, carte d'identité, carte vitale. Hop, vous avez une autre poche ici, plus la poche de derrière, petite chose intime. Mon étui à lentilles, pareil, toujours pratique d'en avoir un. Petite goutte pour les yeux, ça c'est pareil, vu que j'ai des yeux pourris, bah faut bien que j'ai des gouttes. Le téléphone, sauf que je suis en train de filmer avec, et j'aimerais aussi rentrer mon petit trépied, c'est sûr et certain qu'il va rentrer. Du coup, je peux pas le prendre puisque je filme aussi avec, c'est un petit peu le problème. Ah bah écoutez, guys, c'est tout ce dont j'ai réellement besoin, moi. Ah, j'ai peut-être du gel hydroalcoolique, il faut que je le prenne. Très important d'avoir sur soi. Les lunettes de sunshine, franchement il y a tout qui rentre, c'est incroyable. Les écouteurs, très important, et le petit masque, et voilà pour le look coco. Bon les gars, on se retrouve en ville. Je dois acheter un cadeau à DJ pour son anniversaire, mais du coup je vais pas vous montrer exactement où je vais, sinon il saura. Mais du coup vous allez venir avec moi. Par contre les gars, la boutique Isabelle Maran, genre elle vient d'ouvrir, mais elle est tellement belle, regardez la vitrine. Et je veux le même arbre chez moi. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le bonheur de Didier aujourd'hui. J'ai rien qui m'a vraiment tapé à l'œil, donc voilà, désolé Didier. Je rentre enfin de ma petite après-midi en ville. Bredouille puisque je n'ai rien trouvé pour Didier, mais j'ai quand même pu prendre quelques petites photos pour ce sac puisque je suis en collaboration avec eux, donc c'était quand même cool de faire un petit look avec le sac que je vous mets juste ici. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Sinon, je vais commencer à faire quelques preps pour le repas de ce soir. Alors, je vais faire mon sport quoi. Bah, je vais me démaquiller avant parce que moi je peux pas faire mon sport maquillée comme ça, ce n'est pas possible. Je dégouline de maquillage, je déteste ça. Je suis démaquillée en vêtements de sport, ready to faire Pamela. Thank you.
Guys, pour ce soir, ce sera un bol. Donc, je suis partie sur une préparation avec du riz à sushi. J'ai ensuite découpé mon saumon en petits cubes. J'ai ajouté du tahini. J'ai laissé reposer au frigo quelques temps. Je suis ensuite venue découper mes petits champignons. Et j'ai commencé à préparer mes bols à base de riz, de saumon, d'avocat, parce que c'est clairement la base. Et côté chaud, je suis venue ajouter mes carottes au four ainsi que mes petits champignons et honnêtement c'était un pur régal. Après voilà, faut aimer allier la chaleur et la fraîcheur. C'est réussi, bravo. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux le laisser. Il y a vraiment des idées. Mais à chaque fois que tu regardes la caméra, j'ai remarqué que tu fais ça. Tu regardes, tu fais... Je leur parle. Parce que tu veux être genre BG en fait. Tu fais le beau gosse. Non. Si. Bon, j'avoue, je regarde un peu. Bah oui. Bon guys, j'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. Je vous ai montré un petit peu du coup une journée type dans ma vie. Je tenais également à vous remercier d'être de plus en plus présente, de me soutenir au quotidien parce que grâce à vous, je peux collaborer avec des marques que je kiffe vraiment comme Basile Paris. Je suis hyper contente de pouvoir vous présenter ce type de produits de qualité qui soient jolis, harmonieux. Merci du fond du cœur. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu mes soucis sur Instagram, donc je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. J'ai eu quelques problèmes au niveau de mon logiciel de mon stage la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas pu être présente de toute la semaine, mais je reviens en forme. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver dimanche, ce sera la vidéo Pamela au niveau de son workout et de ce que je mange tout au long de la semaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit like si vous avez passé un bon moment et je vous fais plein de bisous.